C'est avec regret que nous avons appris le décès de Luc Cordeau, ancien directeur général du Centre d'histoire. En guise d'hommage, voici une brève rétrospective de sa carrière. Luc Cordeau, un Saint-Pien passionné de l'histoire locale et régionale, vient de nous quitter. Il est né le 14 avril 1959. Originaire de Saint-Pie, il est le fils cadet de Conrad Cordeau et de Georgette Duclos. Luc fait ses études primaires à l'École Sacré-Cœur de Saint-Pie, puis ses études secondaires au Collège Mont-Sacré-Cœur à Granby et finalement à la polyvalente Hyacinthe de l'Orme de Saint-Hyacinthe. À la fin de ses études secondaires, il entre sur le marché du travail. Puis, quelques années plus tard, il effectue un retour aux études en 1991 et il termine ses études collégiales au Cégep de Saint-Hyacinthe. Par la suite, il entre à l'Université Laval à Québec, où il obtient en mai 1996 un baccalauréat d'enseignement au secondaire avec une majeure en histoire et une mineure en pédagogie. L'année suivante, en 1997, toujours à l'Université Laval, il termine un baccalauréat en histoire. Puis, en 1998, il complète un certificat en gestion des documents administratifs et des archives à l'Université du Québec à Montréal. Il s'ensuit une série d'études pratiques à titre de stagiaire non rémunéré et d'archiviste contractuel dans divers domaines, tant à Saint-Hyacinthe qu'à Montréal. Luc Cordeau s'est impliqué à titre de membre à la Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe de 1984 à 2004. Il est devenu archiviste contractuel en 2001 au Centre d'archives du séminaire de Saint-Hyacinthe. Puis, en 2005, à la suite de la maladie du directeur général, le regretté Jean-Noël Dion, il devient directeur général par intérim et, à la suite du décès de M. Dion, il assuma les postes d'archiviste et de directeur général jusqu'au 17 décembre 2020. En plus de ses fonctions au Centre d'histoire, Luc Cordeau est membre de plusieurs organisations. Il fut membre de la Commission du patrimoine mascoutin, du Comité consultatif d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe, du Comité de toponymie de la ville de Saint-Hyacinthe, du Comité des fêtes du 2e centenaire du séminaire de Saint-Hyacinthe, du Comité local en patrimoine de la ville de Saint-Hyacinthe et, finalement, administrateur de la Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe de 2014 à 2019. De plus, Luc fut trésorier du regroupement des services d'archives privées agréés du Québec de 2009 à 2019. Luc écrivait récemment: faire des recherches en histoire sur notre histoire locale et régionale me passionne énormément. Et dans ces recherches, j'aime découvrir des gens dont l'histoire n'a pas retenu le nom, mais qui ont fait beaucoup dans leur milieu. Il s'agit finalement très souvent de gens ayant vécu au 19e siècle et qui n'avaient pas de descendance et qui sont tombés dans l'oubli. Notamment Joseph Bistodeau, Lambert Sarrazin et Charles Heureux. Sans oublier que dans son très grand souci de propager l'histoire locale et régionale, Luc a signé depuis 1998 quelques 155 articles publiés dans la chronique Histoire d'ici du Courrier de Saint-Hyacinthe. Il est également co-auteur et coordonnateur du livre-album Souvenir Saint-Pie 1828-2003, une paroisse, un village, une ville, une histoire. Il est également l'auteur de plusieurs articles publiés dans la chronique Histoire et patrimoine du journal municipal de la ville de Saint-Pie. On peut dire que Luc Cordeau fut un archiviste intègre et éclairé, ferme dans ses convictions, d'un commerce agréable et facile, dévoué à son travail et envers les chercheurs. Il a passé sa vie à être utile à son patelin et à sa région. C'est une vie consacrée tout entière à la noble cause de l'histoire et à la diffusion de celle-ci. Luc Cordeau est décédé le 23 février 2021. Qu'il repose en paix.